entrer en profondeur dans le cœur. Et je déclare que la semence se tombe dans la bonne terre. Et qu'elle est arrosée par l'eau de ton Saint-Esprit. Et qu'elle produit des fruits par ton nom Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Je bénis le Seigneur et je bénis notre pasteur qui m'a fait vraiment cet honneur de me présenter devant vous. Que le Seigneur fortifie encore l'homme de Dieu afin qu'il accomplisse sa mission jusqu'à la fin. Prions pour l'homme de Dieu parce qu'il est difficile de conduire un peuple. Alors nous devons porter la nature de Christ. Nous devons être fidèles à Dieu. Et je bénis Maman Jenny qui a entonné un chant de combattant, de soldat. Parce que Christ est un combattant. Christ est plus qu'un combattant, il est un guerrier. On dit que c'est l'Éternel des armées. Et l'Éternel ne reste pas derrière l'armée. L'Éternel est celui qui vient précéder l'armée. Comme il est venu se mettre devant le peuple des Hébreux qui était face à l'armée égyptienne. C'est lui d'abord qui est venu par son feu. Il n'est pas comme nos chefs d'État, nos présidents qui envoient à la guerre des soldats et qui restent dans leur demeure bien au chaud. Même si la bombe nucléaire tombe, c'est nous qui mourrons. Eux ont leur bunker. Mais l'Éternel des armées, il va au combat, il vient devant. Yes. Alléluia. Yes. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Et j'ai gardé la foi. Il est dit aussi, dans Apocalypse 3, de retenir ce que nous avons afin que personne ne prenne notre couronne. Yes. Donc si nous devons retenir ce que nous avons, c'est que nous avons quelque chose. Yes. C'est que Jésus nous a donné quelque chose. Il ne nous dit pas de garder. Il nous dit de retenir. Et retenir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, attention, quelqu'un veut prendre. Amen. Quelqu'un veut prendre. Donc il faut retenir la couronne. Yes. Mais comment retenir la couronne? Nous allons voir maintenant que Dieu veut que nous soyons des combattants, que Dieu veut que nous nous levions pour le combat et que nous combattions dans son armée céleste. Nous allons lire plusieurs passages pour comprendre vraiment qu'est-ce que le combat de la foi, parce que bien sûr je ne parle pas du combat physique, c'est le combat de la foi. Nous allons lire plusieurs passages et nous allons commencer par un exemple vraiment concret pour comprendre vraiment ce qu'est le combat de la foi. Nous allons lire dans Marc 5, versets 25 à 34. Si on peut se lever pour cette lecture pour la gloire du Seigneur. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se tourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui a touché? Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Parole de Dieu. Amen. J'aime beaucoup, si j'ai un passage préféré.
chacun d'entre vous a un passage préféré dans la Bible. Quand il dit oh là là, ça le fortifie tout de suite. Moi, c'est ce passage. On va lire aussi dans Éphésiens 6, versets 11 à 17. Éphésiens 6, versets 11 à 17. Je vais t'apprendre de Dieu. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres que vous lèvent, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec laquelle vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Et pour terminer, nous allons lire dans 2 Corinthiens 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, verset 4. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Donc, si Dieu nous donne des armes pour renverser des forteresses, c'est qu'il y a des forteresses. Ne nous trompons pas. Nous sommes chrétiens, nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies. Mais il est un temps où nous devons renverser des forteresses. Il est un temps où nous devons combattre. Et non pas notre frère, notre sœur, non pas le sorcier du quartier, non pas la prostituée du coin, mais nous devons combattre les dominations, les principautés de ce monde des ténèbres pour faire tomber les forteresses. Et nous allons voir concrètement quel est le combat de la foi. Parce que c'est vrai que moi-même, quand j'entends des combats de la foi, c'est trop abstrait. Comment on combat dans la foi? Donc on a lu ici dans Marc 5 l'exemple de cette femme. J'aime ce passage-là parce que cette femme, ce n'est pas Jésus qui est parti la chercher, elle-même s'est levée. Jésus n'a rien dit, il n'a pas vu et elle-même elle est partie chercher, remporter sa victoire. Et ça c'est beau parce que ça nous prouve que Dieu nous a donné l'autorité à nous. Amen. D'aller chercher et d'aller remporter des victoires. Il nous a donné la capacité, il nous a donné l'autorité. Il a toute autorité, mais il est parti reprendre le pouvoir que Satan nous avait volé par ruse. Et il a redonné à l'homme. Prenons cette autorité-là pour aller arracher ce qui nous est dû. Et cette femme-là, la santé lui était due. On voit que cette femme était malade depuis 12 ans de perte de sang. 12 ans de perte de sang. Perdre du sang, c'est perdre la vie. Ça voulait dire que depuis 12 ans, elle était en train de mourir. Elle était extrêmement malade. Imaginons les conséquences de sa perte de sang. La principale devait être l'anémie. Et l'anémie, les conséquences de l'anémie, c'est quoi? Ce sont déjà une extrême fatigue. Impossible de faire des efforts. Le moindre effort peut mener à l'évanouissement. Donc on ne peut rien faire. Sans parler des douleurs dues aux pertes, sans parler de l'exclusion qu'elle devait avoir, l'exclusion sociale, parce qu'ils étaient sous la loi à cette époque. Et dans Lévitique 15, il est dit que la femme qui a ses impuretés, et même si elle a des impuretés en dehors de sa période menstruelle, est impure. Elle ne peut pas être en contact avec les gens. Ce qu'elle touche est impur, les gens ne peuvent pas toucher. Donc voici cette femme comment elle était depuis 12 ans. Elle était comme une lépreuse, on peut dire. Elle était mise à l'écart, c'était la femme impure qu'on ne pouvait pas toucher. Et comment une femme impure qu'on ne peut pas toucher, comment est-ce qu'on peut l'épouser? Donc elle n'était pas mariée. Comment une femme qui a des pertes de,
ça on peut avoir des enfants. Elle n'avait pas d'enfants. Elle était riche, heureusement, mais sa richesse ne l'a pas sauvée. Elle a tout dépensé pour avoir la guérison, mais son état était devenu même pire qu'au départ. Plus elle dépensait, pire c'était. Donc elle était exclue. Voici cette femme qui a double sanction. Sanction par la maladie. Sanction sociale, exclue de la société, rejetée et maintenant devenue pauvre. Donc là, c'était la totale qui s'abattait sur elle. Et un jour, elle entend parler qu'il y a quelqu'un du nom de Jésus qui guérit les malades, qui chasse les démons. Mais elle se dit, non, il vient dans ma ville, ça veut dire que c'est mon jour. Et c'est là que a commencé le vrai combat. Parce qu'au début, elle luttait dans la chair, elle allait voir des médecins, elle allait voir des charlatans. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire quand on va mourir? On va faire des fois des mauvaises choses, voir des mauvaises personnes. Elle a fait toutes ces choses et c'était pire. Elle a combattu dans la chair et c'était le mauvais combat. Et puis elle s'est levée, elle a entendu que Jésus arrivait, elle a cru que c'était le Messie. Et elle s'est levée, et là le combat de la foi s'est levé. Et quand elle s'est levée pour combattre de la foi, qui s'est levé aussi? L'ennemi s'est levé, parce que c'était l'ennemi qui l'a mis en esclavage dans la maladie. La maladie n'est pas de Dieu, aucune maladie n'est de Dieu. C'est lui qui l'a maintenu dans l'esclavage, donc lui aussi il s'est levé. Et c'est pour cela qu'on parle de combat, parce qu'il y a un ennemi, on ne combat pas tout seul. Il y a un ennemi, donc quand on se lève dans la foi pour dire non, cette situation je refuse, alors là l'ennemi aussi dit non, moi aussi je me lève. Mais Dieu merci, Dieu a fait de nous des combattants armés et équipés. Et si j'avais un thème pour ce passage, ce message serait équipé pour le combat. Donc la première chose qu'elle a fait cette femme, c'est qu'elle s'est levée. Elle s'est levée dans la foi. Elle s'est mise debout. Car elle a cru que c'était son jour. Elle s'est mise en position de combattante. On ne combat pas assis, on ne combat pas couché. Elle s'est levée spirituellement et elle a dit stop, c'est fini. Ça déjà, c'est la première chose que nous devons faire pour combattre, c'est nous lever. Ensuite, qu'a-t-elle fait? Elle savait que sa guérison était en Jésus. Elle savait que le salut était en Jésus. Elle savait que le changement radical de sa vie était en Jésus. Donc, qu'est-ce qu'elle a pris sans savoir, cette femme? Elle a pris quelque chose de précieux. Elle a pris sur sa tête le casque du salut. Elle a commencé par le casque. Elle ne s'est pas arrêtée au casque. Bien qu'elle était malade, faible, impure, sans statut social, pauvre, critiquée, on imagine, nous, les hommes et les femmes, comment on aime critiquer. Donc cette femme-là, elle devait être critiquée de tout le monde. La femme pas mariée, tout le temps malade, celle-là. Elle ne peut rien faire, tout le temps de la maladie, on est fatiguée. On sait très bien comment on est, nous, les hommes. Donc critiquée, rejetée par tous. Mais elle savait que Jésus-Christ ne regarderait pas à ses défauts. Elle savait que Jésus-Christ ne regardait pas à l'apparence misérable. Elle savait que Jésus-Christ ne regarderait pas son passé. Elle savait qu'en lui, elle serait justifiée. Et là, elle a porté la cuirasse de justice. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle avait le casque, elle avait la cuirasse. Elle est allée encore au-delà. Parce que malgré la douleur, ses difficultés à se déplacer, c'est une femme qui ne devait pas se tenir droite pour marcher. C'est une femme, certainement, au bout de trois pas, devait s'arrêter, reprendre son souffle, se cambrer de douleur et repartir. Ça n'a pas été une marche facile. Mais malgré cela, malgré la douleur, elle savait. Elle s'accrochait à ce qu'elle avait entendu de la loi. Elle s'accrochait à cette prophétie qu'un sauveur devait venir et qui guérirait les malades. Qu'un sauveur
devait venir et qui chasserait les démons. Qu'un sauveur devait venir et qu'il allait les libérer. Elle ne s'est pas dit c'est le sauveur des gens. Elle s'est dit c'est mon sauveur. C'est mon sauveur qui est venu. Et cela s'accrocha à cette loi-là, s'accrocha à cette parole-là. Elle a porté sans savoir les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Parce que quand elle a repensé à ça, qu'un sauveur devait venir, que le Messie devait venir, qu'on a prophétisé depuis des décennies qu'un Messie viendrait. Et je crois que c'est lui le Messie. Ça lui a donné la ferveur, ça lui a donné la force malgré la douleur de marcher. Et cette ferveur-là, c'est les chaussures du zèle de l'évangile. Ce qu'elle croyait, c'était la vérité. Parce que Jésus était la vérité, il était vraiment le Messie. Et elle a mis sa ceinture de vérité. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle savait que c'était son jour, que Jésus était venu pour elle dans sa vie. Elle n'est pas, il n'est pas venu pour les autres. Il n'est pas venu pour les autres malades. Elle se fichait des lépreux, des boiteux, des aveugles. Ce n'était pas son problème. Elle savait que Jésus était venu pour elle. Elle savait que c'était son temps. Elle n'écoutait plus les autres, c'était fini. Qui disaient qu'elle était faible, impure, qu'elle n'avait pas le droit d'aller dans la foule, qu'elle était de toute façon trop insignifiante, qu'elle méritait sa maladie. Mais elle avait les yeux fixés sur Jésus, parce qu'elle savait que c'était en Jésus qu'elle aurait tout, qu'elle serait rétablie. Et elle regardait que vers Jésus. Elle ne regardait plus la foule. Elle regardait que vers Jésus. Les gens lui parlaient, tu ne peux pas aller. Tu n'as pas le droit d'aller dans la foule. Tu es impur à cause de toi. Tout le monde que tu vas toucher sera impur. C'est ça que tu veux? Et elle, elle a dit non. Je regarde Jésus. Je sais qu'en Jésus, j'aurai quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a pris le bouclier de la foi. À quoi sert le bouclier de la foi? Le bouclier, il sert à contrer les coups de l'ennemi, à arrêter les coups de l'ennemi. Quand on vous dit que vous n'êtes pas assez bien, vous pouvez mettre le bouclier pour dire que non, Jésus ne regarde pas mon passé. Quand on vous dit que toi, la fille là, c'était toi qu'on voyait, tu recevais toujours des hommes le soir, toi tu prends ton bouclier et tu dis, Jésus m'a justifié, il m'a lavé par son sang. Quand on dit, toi, papa, c'était pas toi qui volais toujours les gens. Et toi, tu prends ton bouclier et tu dis, Jésus m'a lavé de mes péchés. C'est à ça que sert le bouclier. C'est pour reparler les coups de l'ennemi. Alléluia. Amen. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué encore. Bien que sur la route, avec la foule, dès que Jésus se déplaçait, je pense que c'était comme si, même plus que si Michael Jackson sortait dans la rue, tout le monde voulait aller pour aller toucher Jésus. Mais elle, elle allait avec quelque chose de spécial. Et dans toute cette foule-là, bien qu'elle était bousculée de tous côtés, empêchée d'avancer, parce qu'en plus c'était une femme malade, de surcroît, Satan qui venait lui murmurer à l'oreille, et des fois on entend ces choses dans nos têtes, tu ne vas pas réussir, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez diplômé, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela, tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez chic, tu n'as pas assez d'élégance, tu ne sais pas bien t'exprimer, tu ne sais pas faire ceci, regarde ta vie, tu as vu tes parents? Tes parents ne savent pas lire ni écrire. Et toi-même, tu as vu d'où tu viens, tu penses que toi tu vas réussir. Regarde ton voisin, lui n'a pas réussi. Pourquoi toi tu vas réussir? Et tout ça, ce sont les voix du diable. On pense que ça vient de nous-mêmes, ça vient de Satan. Tu n'es pas prêt pour le faire. Tu n'es pas prêt pour le mariage, tu as encore le temps. Tu n'es pas prêt pour aller postuler. Tu n'es pas prêt pour faire ceci, c'est le diable. Tout cela, c'est le diable. Et tout cela, la femme a rejeté en arrière. Et lui rappeler que c'était une pécheresse.
Et elle a prouvé qu'elle était dans le péché parce que la loi dit qu'elle est impure, elle n'a pas le droit d'aller dans la foule. Tu es impure, tu n'as pas le droit d'aller dans la foule. Tu vois comment tu es? Tu sais que c'est dans la loi? Et tu vas dans la foule et après tu veux que Jésus te guérisse? Non. Laisse tomber. Mais la femme, elle, elle savait. Elle a dit, si je touche seulement son vêtement, alors je serai guérie. Amen. Elle a dit, si je touche seulement Jésus-Christ, j'aurai la vie. Si je touche seulement Jésus-Christ, je serai purifiée. Si je touche seulement Jésus-Christ, je serai rétablie. Parce que Jésus-Christ, quand il bénit en abondance. Il ne bénit pas que dans la limite. Il n'allait pas que la rétablir dans son corps. Il n'allait pas que réparer ce qu'il y avait dans son corps. Il n'allait pas seulement arrêter l'écoulement de sang. Il allait la rétablir au niveau social. Elle allait se marier. Elle allait avoir des enfants. Elle allait avoir de l'autorité. Elle allait avoir une place dans la société. Jésus s'est arrêté. Oh,
femme chez lui. Et j'imagine la tête des disciples, ils voient une foule autour de lui qui le touche, je veux se dire, mais vraiment Seigneur, des fois tu poses des questions. Mais tout le monde est là, tout le monde te touche et tu demandes encore qui t'a touché, comment on va savoir qui t'a touché, vraiment? Mais par respect, ils n'ont pas dit ça, mais ils devaient vraiment penser ça très fort. Tout le monde le touche, la tête, les cheveux, les épaules, tout le corps entier, et ils demandent encore qui m'a touché, comment on va savoir? Il a dit non, eux ils m'ont touché dans le vide, ils m'ont touché sans conviction, ils m'ont touché sans foi, ils m'ont touché comme ça pour tester. Mais quelqu'un m'a touché avec la conviction, avec la ferveur, avec la foi. Quelqu'un m'a touché et quelqu'un a pris de moi quelque chose. Il regarde et il voit, est-ce qu'il est fier? Qui a oublié son casque?
seule beauté et sa cuirasse. Est-ce qu'on peut se présenter devant l'Éternel sans casque? Est-ce qu'on peut se présenter sans cuirasse? Est-ce qu'on peut se présenter sans chaussures? Non, l'Éternel passe et il nous regarde. Il nous regarde de la tête aux pieds. Il voit qu'on est équipé. Et quand tu dis garde à vous, nous nous mettons en garde à vous. Et tu, mon enfant, tu es équipé. Ne soyons pas des passifs pour subir toujours les attaques. Les chrétiens, nous sommes trop passifs. Comme on nous a dit, aimez vos ennemis. Oh, on aime trop. Mais l'ennemi qui est Satan, lui, il ne faut pas aimer. Lui, il faut être sans pitié. Il faut se lever, frapper de l'épée. Alléluia. Et je vais conclure avec une chose. Dans Matthieu 4, verset 10. Dans Matthieu 4, verset 10. On voit que Jésus, au bout de 40 jours de jeûne, il a été tenté par Satan. Jésus, le Seigneur, le Seigneur. Quand il marchait quelque part et que quelqu'un était possédé par des démons, les démons venaient pour dire « Qui a-t-il entre toi et nous, Seigneur de Seigneur ?» Vous savez qui c'était. Donc Satan savait très bien qui était Jésus. Mais il est allé le tenter quand même. Et s'il a eu menace de tenter Jésus, il va nous tenter. Il va nous tenter tous les jours. Alléluia. Mais que dit le verset 10? Il dit, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors verset 11, l'essentiel. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Pendant le combat, où étaient les anges? Est-ce qu'ils étaient dans les cieux? Non. Les anges étaient déjà auprès de Jésus et ils attendaient qu'il gagne. Les anges sont déjà là auprès de toi. Tu es dans le combat. Sache que les anges sont déjà là auprès de toi. Ils attendent que tu gagnes. Ils attendent la fin, mais ils sont déjà là pour te servir. Ils attendent, ils sont déjà là que le diable ne te trompe pas. C'est lui qui te fait croire que tu vas échouer. C'est lui qui te fait croire que tu ne vas pas arriver. Et c'est lui quand tu vois qu'il va perdre, c'est là qu'il remue le plus la gueule. Donc c'est quand tu vas atteindre quelque chose, c'est là que tu vas encore une montagne de difficultés s'abattre. Glorifie Dieu parce que c'est là que tu as frappé. Il a tiré les dernières cartes. Et les anges sont là. Et ils attendent. Et quand tu auras remporté le combat, enfin ils viendront vers toi. Et diront, on attendait, on savait déjà. On savait déjà, ils ne sont pas dans les cieux. Ils sont là à côté de toi pendant que tu combats. Ils savent que tu vas remporter la victoire. Et comment ils savent que tu vas remporter la victoire? Parce que tous les combats que nous menons, Jésus les a déjà gagnés. Il nous a précédés. Il est allé devant nous. Il a dit la montagne, elle quitte là-bas. Il a remporté tous tes combats. Tout ce qui te parriture. Tout ce qui te fait mal dans ton corps. Tout ce qui te fait mal dans ton âme. Tout ce qui te fait mal dans ta tête. Tout ça. Tout ce qui te fait mal même matériellement. Tout ce qui te fait mal financièrement. Il a déjà tout combattu. Et il a dit qu'il ne peut nous donner un poids plus lourd, un poids lourd qu'on ne peut supporter. S'il t'a donné ce poids, c'est parce qu'il sait que tu as le casque, que tu as la cuirasse, que tu as les chaussures, que tu as la ceinture, que tu as le bouclier, que tu as l'épée. Et dis-moi, si tu es équipé et que ta couronne est sous la cuirasse, comment l'ennemi va prendre? Comment l'ennemi va prendre ta cuirasse? Soyons équipés. Soyons prêts pour le combat. Parce que l'Éternel a déjà combattu. L'Éternel.
déjà gagné. Il est déjà victorieux. Et il a dit qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur dans ton combat. Tu l'as déjà remporté. Et les ennemis le sait. Il te manque pas. Sors ton épée. Sors ton épée. Et va frapper l'ennemi en plein cœur. Alléluia. Que l'éternel. Mais il faut que le Seigneur vienne les rendre perpétuels. Avant de toi, maintenant, dans le nom de Jésus.